Donc nous revoilà du coup pour faire le tour de la voiture ensemble et puis voilà. Donc là voilà. Donc comme vous pouvez le voir, elle est magnifique. Ça fait super plaisir de la voir. Vraiment, vraiment, vraiment. On va faire un petit tour ensemble puis je vous montrerai après. Mais franchement, ça fait plaisir. Et je pense que elle... Parce que pour moi, c'est un petit peu une voiture qui a une âme, cette voiture. Parce que elle est sentimentale. Elle est sentimentale, elle a du vécu. Parce que elle appartenait à Aurélien de Dijon Auto Racing France. C'était leur chocard. Enfin voilà. Donc du coup, donc elle a la calandre noire en nid d'abeille avec le logo noir. Elle a du XPEL partout sur la voiture, donc en fait c'est ça que vous voyez en mat, et en fait on voit que les gouttes en fait elles glissent dessus. En fait c'est une protection. Ce qui est super cool, c'est qu'au niveau des graviers, quand on en prend, bah du coup il suffit de chauffer, ou même l'été, hop, ça s'efface tout seul. Donc c'est ça qui est super cool. Donc il y a des jantes Vossen en 21 pouces. Donc elles sont juste énormes, avec un débord, je ne sais pas si vous pouvez voir, qui est juste énorme aussi. Donc les trottoirs, ça, ils adorent. Donc du coup, voilà, c'est des jantes qui sont forgées. Donc je peux vous dire que pour les plier, il en faut. Donc ça, c'est le petit autocollant XPEL. Donc du coup, j'ai gardé les baguettes chrome parce que je trouve qu'en fait, ça va avec le style de la voiture. Donc comme vous pouvez voir, on voit vraiment, 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 les roues, elles ressortent de la carrosserie. C'est énorme. Donc à l'arrière, elle est débadgée. Donc à l'arrière, tout est d'origine, sauf ça, bien sûr. Donc une ligne Acra en titane. Tac, je sais pas si on peut voir. Je vous mettrai une photo, je crois que j'ai une photo de la ligne. Démonté. Donc voilà, il y a énormément de place intérieur extérieur. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup 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 de place. C'est ça qui est super cool. Donc du coup, c'est de l'alcantara cuir. Là, les petits logos S7. Donc là, on a de l'alcantara, donc elle a le pack carbone juste ici. On va passer à l'avant. Donc du coup, Alcantara, on retrouve du carbone ici. Bon bah ça, c'est les sièges, les positions, ce qui sont en mémoire. Elle a le son Bose. Les sièges, ils sont magnifiques. C'est chemi-baquet. Donc là, on peut voir qu'il y a du carbone partout. Avec le petit logo Quattro ici. Même l'intérieur, franchement, c'est super joli. Bon, ça, c'est un peu tuning, je vous l'accorde. Hein, mais c'est un missile, donc elle le mérite. Donc ça, c'est le volant que j'ai fait rajouter. Donc c'est un volant, donc du coup, carbone, alcantara sur piqûre rouge. Ça arrive en alcantara avec les logos noirs. Donc il y a le shift avec les LED, etc. Donc ça, c'est super joli. Je vais vous montrer aussi le moteur pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Tac. Donc ici, on a les turbos TTE 3000 qui sont juste là. Donc ça, c'est super cool.
il est pas il est... Et là on a les admissions qui ont été faites sur mesure, et puis bah là il y a les décatas, les décatas là et là. Donc ça c'est les décatas qui vont jusqu'à la ligne Agra, parce que du coup elle a une ligne de RS6. Donc voilà, le moteur qui a été changé, ça fait du bien. On voit encore les petits détails là, jaunes, etc. Donc franchement, je suis super content. Pour l'instant, elle roule bien. Bon, j'ai fait même pas 100 bornes. Mais franchement, je suis super content du travail qu'ils ont fait dessus. Donc voilà, du coup, on va se retrouver sur des petites images. Et puis voilà. Donc là, elle est en rodage, donc on va y aller tranquille. Parce que j'ai pas envie de la massacrer, vraiment. Donc comme vous pouvez le voir, l'intérieur il est vraiment super cool et on est confort dedans. Elle a vraiment toute option, régulateur de vitesse, adaptatif, les palettes au volant. Enfin franchement c'est vraiment une bonne voiture. Donc du coup on se retrouve sur des petites images et puis voilà. Donc voilà, du coup on se retrouve à l'intérieur. Donc du coup, comme je vous disais, ici il y a le shift avec les couleurs, donc on peut tout régler. J'ai pas encore trop tripoté. Au niveau de l'accélération, donc j'y vais tranquille parce que elle est en rodage et parce que je ne tiens pas et qu'elle retourne au garage. Mais comme on peut l'entendre, enfin c'est le son de la d'une ligne en titane, c'est et comme vous pouvez voir au niveau des tours minutes, on est loin d'être en saturation. Donc franchement c'est super bien. Et la boîte de cette voiture, elle est incroyable parce qu'elle est vraiment très rapide. C'est vraiment impressionnant.
fait une ou deux petites accélérations, mais vraiment en respectant bien, parce que c'est important. C'est très important de respecter, surtout en rodage, pas lui faire du mal. Parce qu'un rodage mal fait peut du coup donner quelques frais et des gros frais. Donc là, le shift, forcément, il s'affole, mais en fait, c'est quand on passe à 3000 tours. Quand le rodage sera terminé, je le mettrai pour que ce soit à partir de 4000, voire 4005. Mais là, du coup, c'est réglé comme ça et c'est très bien, parce que c'est vrai que quand ça scintille, on a tendance à vouloir accélérer. Mais donc là, on est en mode normal, on peut rouler, donc du coup, en mode normal, c'est très aseptisé, on n'entend pas vraiment, parce que les carreaux, je ne l'ai pas dit, mais c'est du double vitrage. Donc du coup, ça, c'est assez cool. Par contre, forcément, si on se met en mode donc dynamique en sport, tout de suite elle rétrograde et là on l'entend un peu plus chanter, et c'est surtout on sent que ça pousse, et puis bah, après on ouvre la fenêtre, il n'y a plus de double vitrage, et là là tout de suite on sent le moteur qui est présent, la voiture, et on a vraiment l'impression qu'elle vit, cette voiture, hein. c'est vraiment agréable, et je vais vraiment la garder. Malgré que j'ai dit ça sur plein de véhicules, je vais le garder, mais celle-là, je vais vraiment la garder, car elle est unique, et en plus de ça, je l'aime bien, et elle est ultra pratique, parce qu'on peut vraiment l'utiliser tous les jours, et ça, c'est cool. Donc voilà, je vais vous montrer une petite accélération. Donc, je ne suis pas à l'éthanol. Avant, il y avait une carto full flex, il y avait une carto à l'octane aussi. Il y avait une carto RS6, parce qu'en fait, vu qu'elle a des turbos d'RS6, la carto de base, c'était une carto avec des turbos d'RS6. Et donc là, à l'heure actuelle, elle a deux cartos, donc je l'ai changé au régulateur de vitesse. Donc la carto classique RS6 et l'autre carto, donc c'est une carto APR, donc celle-là qui développe 700 chevaux et 992 Nm de couple, donc ce qui fait que c'est vraiment pas mal. Donc là, par exemple, on rétrograde un petit peu, on va accélérer, et vous allez voir que directement on sent que ça pousse fort, donc voilà. Mais donc je vous ferai forcément, une fois que le rodage sera fait, et il y aura une petite vidéo avec un passage au banc, etc., qui sera fait, mais donc pas tout de suite, hein, il faut lui laisser le temps de se remettre un petit peu de ses émotions. Et puis voilà. Donc du coup, je vous dis de vous abonner, c'est super important, on a dépassé les 1070 aujourd'hui abonnés. Franchement, plus on avance, plus ça va vite au niveau des abonnés, c'est super cool. Pensez à aimer aussi, à commenter, et puis aussi, contactez-moi, lisez dans la description, j'ai mis une adresse mail où vous pouvez me contacter, vous m'envoyez des photos de votre voiture, et puis après je vous donne une date où on peut se rencontrer et faire une vidéo qui est sympa, et puis voilà. Donc du coup, je vous dis à bientôt.